Bonjour à tous et bienvenue chez Spareka. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer ce qu'il faut vérifier si votre linge est mal lavé ou si vous observez des traces de lessive sur votre linge. Pour des raisons de sécurité, n'oubliez pas de débrancher votre appareil électriquement. Vous aurez besoin d'un tournevis plat et Torx ainsi que d'un multimètre. À l'aide d'un tournevis plat, déclipsez le bandeau de commande. Testez dans un premier temps l'électrovanne pour s'assurer qu'il n'y a pas un problème d'arrivée d'eau. Débranchez les connecteurs de l'électrovanne. Réglez le multimètre en kilo-ohm. Et mesurez l'électrovanne. Sa valeur doit être aux alentours de 3 et 4 kilo-ohms. L'électrovanne de votre lave-linge est peut-être défectueuse si votre lave-linge disjoncte ou ne démarre pas. En cas de fuite pendant le cycle de lavage, si le linge n'est pas ou mal lavé, en cas d'odeur persistante. Rebranchez les connecteurs. Passons maintenant au test du prestostat. Réglez le multimètre sur la continuité. Débranchez les fils électriques. Et mesurez la continuité. Pour que la continuité soit vérifiée, il faut que le multimètre bipe lorsque les deux fils de celui-ci entrent en contact avec les fiches du prestostat. Enfin, vérifiez que la chambre de compression n'est pas bouchée. Dévissez-la. Retirez le tuyau de celle-ci. Et vérifiez que les trous d'entrée et de sortie de la chambre de compression ne sont pas bouchés. Enfin, remontez-la. Retrouvez sur notre chaîne YouTube l'ensemble de nos vidéos d'aide à la réparation du lave-linge. Et pour être sûr et certain de ne louper aucune vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Vous trouverez également sur notre site internet une assistance en ligne pour diagnostiquer votre panne. Avec Spareka, réparer c'est facile !